Hey yo, here comes the danger up in this club. When we get started, man, we ain't gonna stop. We gonna turn it out till it gets too hot. Everybody sing, hey yo. Tell them turn it out till they can't no more. Let's get this thing shaking like a disco ball. This is your last warning, a courtesy call. Yo les gens, c'est Nexta, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vous présentais tout simplement ma seconde nucléaire sur un Fit Warfare. Voilà, c'est un gameplay sur Frontière à la Kabar. Donc comme d'habitude, ma première nucléaire aussi ça a été à la Kabar sur Frontière. Et en tout cas les amis, moi ce gameplay ça s'est assez bien passé. 33 kills d'affilée, donc j'ai fait un 33-1 avec quelques kills avec le drone d'escorte et quelques kills au foudroiement. Mais en tout cas j'ai bien réalisé 25 kills d'affilée à l'arme, donc la nucléaire est validée. En tout cas les amis, moi personnellement sur un Fit Warfare je prends vraiment beaucoup de plaisir à jouer. Moi je kiffe vraiment ce jeu, vraiment il est vraiment super intéressant. Les gunfights sont bien, malgré que ce soit assez facile quand tu jump ou tu drop shot. Voilà, les gunfights sont vraiment extrêmement rapides et tout, mais c'est un peu random. Je vais pas vous cacher que quand tu jump et quand tu drop shot, t'es extrêmement fort. Donc voilà, ça c'est assez compliqué, mais moi je me débrouille vraiment super bien pour ça. Après c'est un bon jeu, c'est réaliste clairement. De loin les AR sont vraiment bien, de près les SMG sont vraiment bien. Après c'est compliqué quand tu es à l'AR et que tu es de près, et quand tu es à la mitraillette et que t'es de loin, c'est assez compliqué. Parce que voilà, c'est tout simplement réaliste, on va dire. Le jeu est assez réaliste et moi j'aime vraiment bien. Voilà, moi je kiffe vraiment ce jeu. Je peux vous cacher que je kiffe de ouf ce jeu. Sur ce jeu, je vais tout donner, les amis. Comme je l'ai dit dans ma dernière vidéo, j'ai vraiment tout donné. On a vraiment bien commencé l'année et en tout cas, je vais vraiment tout donner sur ce jeu. Je vais vraiment le geeker parce que c'est un jeu que j'adore. Et voilà, tout simplement, j'adore ce jeu. Du coup, je vais faire des gameplays, des vidéos, des tutos classe. Je vais faire de tout sur ce jeu, les amis, comme sur Black Ops 3, mais vraiment en plus vénère. Je peux vous cacher que là, je vais vraiment faire un truc vraiment pro. J'ai pas envie de partir en couille un petit peu avec des clashs, etc. Pour moi c'est terminé ça, j'ai plus envie de m'embrouiller avec certaines personnes qui font des vidéos sur YouTube, ça ne sert strictement à rien. Parce qu'après tout simplement des personnes te voient mal, etc. Et moi c'est pas mon but, j'ai pas envie qu'on m'insulte tous les jours alors que les personnes ne connaissent pas forcément la vérité ou etc. Du coup voilà, moi cette année j'ai vraiment envie de faire les choses bien. Et en tout cas je suis vraiment désolé pour toutes les embrouilles qui s'est passé sur Black Ops 3, c'est le passé. Et j'espère tout simplement que vous me pardonnerez parce que j'ai fait des erreurs, vous avez fait des erreurs. Et voilà, en tout cas petite parenthèse pour la vidéo, voilà, je tenais juste à vous le dire, ça me tenait vraiment à cœur. En tout cas les amis, comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, je vais vous présenter une classe qui est wesh, c'est le gros, c'est la meilleure classe de ce putain d'Fit Warfare. Il y a pas mieux. Vous allez me dire ouais mais la NV4 elle est bien, M4A1 on est badger. Non frérot, non, la NV4 elle est bien de loin, elle est extrêmement précise etc, mais de près elle pue totalement la merde. Quand tu t'en comptes des mitraillettes, tu te fais totalement sodomiser, même si tu peux gagner quelques gunfights. Faut savoir que la NV4 est bien de loin mais pas de près, du coup elle est pas forcément polyvalente. Et moi aujourd'hui les amis, je vais vous donner une arme qui est polyvalente de près, de loin, du milieu, de partout frérot. Je te jure de partout, c'est un truc de ouf. Donc comme vous l'avez vu, le gameplay d'hier et le gameplay d'aujourd'hui, c'est tout simplement la même arme. Donc c'est la Kabar qui est tout simplement la meilleure arme d'un Fit Warfare pour le moment. Je pense qu'à la sortie officielle du jeu elle va être patchée, je peux pas vous cacher qu'elle va être patchée je pense, parce qu'elle est totalement cheatée. Pour moi c'est la même que la Honey Badger mais en plus cheatée. Voilà, de loin ça bouge pas, de près tu gagnes vraiment beaucoup de gunfights. C'est vraiment une hybride de fusil d'assaut et de mitraillette et moi je kiffe vraiment ça. C'est vraiment mon style d'arme, clairement je kiffe vraiment ça. C'est tellement facile de faire des nucléaires avec cette arme les amis. Demain aussi, petite parenthèse, demain vous aurez un tuto nucléaire sur la chaîne. Donc voilà, n'hésitez pas à venir demain à 13h sur ma chaîne. En tout cas si vous voulez prendre du plaisir sur ce jeu, si vous voulez niquer des grosses mères, clairement prenez la Kabar, elle est cheatée. Moi personnellement je l'ai prise par terre une fois et j'ai fait une série de 24. Voilà, j'ai fait une série de 24, je suis mort malheureusement sur Frost. Je n'ai pas fait de nucléaire encore sur Frost, mais ça va pas tarder, je pense qu'aujourd'hui je l'aurai. Donc voilà, j'uploaderai ça dans la journée si je l'ai. Et vous inquiétez pas, vous aurez quand même beaucoup de gameplay sur un Fit Warfare je pense dans la semaine etc, parce que je règle tous mes gameplays. Tous mes gameplays je fais de plus de 50 kills ou 60 kills avec Xerox. Voilà, on fait vraiment des trucs sales sur le jeu, on est vraiment hyper chaud. Et en tout cas cette année on va tout baiser, vous inquiétez pas pour ça. Après les amis, n'hésitez pas à tester d'autres classes parce que voilà, faut pas jouer qu'à la NV4, qu'à la Kabar. N'hésitez pas à tester d'autres armes parce qu'il y a d'autres armes qui sont vraiment bien, comme la Erat qui est vraiment une mitraillette OP de ouf. Après il y a la remake de la Vector, donc la Karma 45 il me semble, qui est vraiment hyper cheatée. Voilà, de près c'est hyper cheatée. Donc n'hésitez pas à tester. Moi personnellement je vous donne la classe qui est la meilleure,
sur un feat Warfare pour faire des nucléaires et la plus facile. Clairement, c'est un peu limite la main noire de Black Ops 3. Clairement, c'est un peu ça. En tout cas, moi, c'est ce que je vous conseille, de tester la Kabar, mais aussi de tester d'autres armes pour, voilà, pour prendre un maximum de plaisir à jouer au jeu. N'hésitez pas à tester tous les spécialistes. Voilà, perdez pas votre temps, les amis, parce que comme vous savez, demain, c'est la fin de la bêta. Même s'il y a la bêta la semaine prochaine, le week-end prochain, mais je vous conseille vraiment de tout tester. Comme ça, ben, vous aurez tout testé et vous saurez quoi prendre le jour du jeu officiel et de la bêta prochaine. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'hésitez pas à bombarder la barre des likes, les amis. J'espère que vous me soutiendrez sur Infinite Warfare. N'hésitez pas à bombarder la barre des likes pour les gameplays sur Infinite Warfare, pour cette petite nucléaire. 33 GS, les amis, c'est pas grand chose, on va dire, par rapport au gameplay de Black Ops 3, mais c'est que le début. Voilà, j'espère que vous kifferez ce genre de vidéo. En tout cas, les amis, c'est Nextaz. N'hésitez pas à vous abonner et activer les notifications si c'est pas déjà fait. Peace. Here comes the danger up in this club. When we get started, man, we ain't gonna stop. We gonna turn it out till it gets too hot. Everybody sing, hey, yo. Tell them turn it out till they can't no more. Let's get this thing shaking like a disco ball.